Comme un flot brossé par la fonte, les pigments assis grandement, quand les deux tables se remontent au bord de tes dents. Hey, ne crois pas un peu de bouillir, en terrible gueule, le ciel liquide qui passait, et des fois nous nous cœurs. À 15, je pense que c'est d'abord une réussite parce que ça a permis de mobiliser en tout cas plus de 300 jeunes qui sont là des différentes contrées, donc des différents pays. On a pu prendre beaucoup de contacts aussi avec des différents partenaires. On a discuté entre 300 personnes qui venaient de la société civile, des ONG, aussi des Nations Unies, des gouvernements et des scientifiques. Nous allons donner à nos enfants la planète. Elle est à nous. On l'a reçue de nos parents pour la donner à nos enfants. C'est bien d'avoir un groupe multi-acteurs comme ça et pour savoir avoir des solutions. Parce que tout le monde connaît quelles sont les conséquences de la désertification comme est liée aussi au changement climatique. Mais peut-être on est trop pessimiste. On pense toujours qu'il y a beaucoup de problèmes, mais il existe les solutions. Ici, pendant les derniers jours, on a vu aussi quelles sont les possibles solutions pour lutter contre la dégradation des terres, pour donner des options aux gens qui habitent dans les zones arides. C'est la deuxième fois que le Carré organise des artifactions et c'est un moment vraiment particulier pour la société civile qui se réunit pour discuter des questions de dégradation des terres, lutte contre la désertification et lutte face au changement climatique dans le monde. Este foro evidentemente es buena, es importante porque estamos viviendo en momentos críticos toda la humanidad en la desertificación particularmente de nuestras tierras. La cuestión de la degradación des terres y de la desertificación, elle est, c'est certes un enjeu environnemental, mais c'est aussi un enjeu de développement essentiel pour la plupart des pays en développement. Je précise d'emblée que la dégradation des terres et la désertification sont souvent un petit peu mal comprises, puisqu'on comprend désertification, la lutte contre l'avancée des déserts et des dunes de sable, ce n'est pas du tout le cas. C'est la dégradation des sols qui réduisent leur capacité biologique et surtout qui réduisent la capacité des écosystèmes que les sols hébergent à fournir les services qu'on appelle les services des écosystèmes. Puisque c'est l'année des terres et des sols, finalement, si on préserve nos terres et nos sols, on pourra continuer à être fiers de laisser une planète pour des générations, je répète toujours, encore des générations à venir. Je représente une des associations de Bolivie. Esta asociación es Asociación de Productores Ecológicos de Quinoa Real, Orgánica y Camélidos. Queremos interrelacionar lo que es el producto o materia prima, ¿no?, con la tecnología, es decir, ofrecer otro tipo de producto. Entonces estamos sobre esa gestión. A nuestro gobierno particularmente hemos solicitado que en un momento podamos ir siguiendo fortaleciendo a este asociado pequeños productores que particularmente consideramos que tenemos muchas necesidades. Ecobiné es également membre d'un réseau qui se nomme Réseau Climat et Développement et qui porte des messages de plaidoyer au niveau des négociations liées au changement climatique. Et c'est dans ce cadre également que nous sommes là pour partager nos positions, nos recommandations. Oui, non, mais c'est notre bannière fabriquée au Burkina Faso, n'est-ce pas, Sayouba? Ça, c'est du batik du village des artisans. Vous venez nous aider à faire des jardins au nord du Burkina Faso? Allez. Nous, on pense que plus on peut se fédérer, plus on peut échanger des informations, et plus on est fort, quelque part. C'est soyons ensemble, parce qu'ensemble on arrivera à faire beaucoup plus de choses. Qu'est-ce que c'est que la société civile? Qu'est-ce que c'est qu'une société civile organisée?
quels sont les types d'acteurs, quel type de regroupement on envisage dans cette société civile? Aujourd'hui, la société civile, c'est un espèce de, ça devient de plus en plus un espèce de pouvoir ou de contre-pouvoir et qui a les moyens d'apporter du plaidoyer, d'apporter de l'argumentation. Et puis encore une fois, plus la société civile est, en tout cas les membres de la société civile sont nombreux à proposer d'aller dans un sens, plus les gouvernements, obligatoirement, ils vont quand même se dire faut peut-être qu'on en tienne compte. L'objectif donc de ce forum, c'est vraiment d'arriver à avancer vers une position commune qui montrerait la force des idées de la société civile, d'inscrire ces éléments dans une déclaration qu'ensuite nous allons pouvoir porter au niveau des négociations internationales. Donc l'enjeu, si vous voulez, du CARI et dans cette dynamique, c'est qu'il y a une ONG qui favorise justement les prises de parole et la remontée de la prise de parole des sociétés civiles. Il est à mon avis double, d'une part de les aider à porter cette parole au niveau des grandes conventions, parce qu'à l'heure actuelle les sociétés civiles ne sont pas suffisamment représentées, à la fois dans l'élaboration et même le suivi, sont pris un peu à la marge. Et les deuxièmes, c'est que je pense qu'il faudra aller progressivement vers une attitude où ils auront à porter en face des mots de ces grandes conventions, on aidera les ONG à passer dans un processus de témoignage de ce qui marche et ce qu'ils ont réalisé. Are we going to have a world in which we feed ourselves through the work of small farmers, of family producers, or a world in which commercial production is what feeds us? Now, obviously, it's not either one or the other, but we are seeing huge changes going on in place. But I think we're at quite a decisive moment in history in looking at trajectories forward. D'abord, c'est elle qui nourrit le monde aujourd'hui. 70 à 80% de la consommation de l'humanité, elle provient de l'agriculture familiale. Donc c'est encore plus une réalité dans les pays du Sud. En plus, c'est le secteur dans lequel il y a le plus de problèmes de pauvreté. Et donc, que d'une certaine manière, si on veut atteindre un développement social, c'est-à-dire faire réduire la pauvreté, c'est d'abord un appui à l'agriculture familiale. Bien souvent, on a des politiques publiques qui ne sont pas favorables à l'agriculture familiale, c'est-à-dire qui priorisent plutôt d'autres types d'agriculture. L'International Land Coalition is an alliance of 207 organizations which come together with a common effort to support particularly women and men living in poverty secure their land rights and communities secure their land rights. What's probably distinctive about the International Land Coalition is that we bring together the UN system and civil society. We bring together a very wide diversity of organizations on a critical and often very polemic and divisive and ideological issue, which is land. Land governance is the base of sustainable land management. It creates an enabling environment for sustainable land use, but also for unsustainable land use. It's about land tenure, about recognizing informal land user rights, recognizing customary land tenure. It's about land administration, registration, and about participation of land users in land use planning processes in order to prevent land grab. One of the panelists started by saying that the cause of land degradation was the capitalist paradigm, and I agree with that. Another one of the panelists also said that agribusiness is an obstacle for the development of family agriculture, and that is true as well. Je dirais, d'une manière fondamentale, on peut dire que les agriculteurs familiaux, ils ont intérêt à protéger les écosystèmes sur lesquels ils travaillent, la terre, la biodiversité, les sources d'eau, etc. Bien sûr, ils n'y arrivent pas toujours, mais ils ont fondamentalement intérêt. On ne peut pas dire la même chose de l'agrobusiness. L'agrobusiness, c'est quoi? C'est des capitaux extérieurs qui cherchent à obtenir un profit immédiat. Et le jour où la fertilité n'est plus suffisante pour leur garantir suffisamment de production et de profit,
eh bien, ils vont acheter des terres ailleurs ou ils vont investir dans d'autres secteurs d'activité. Et quand en plus cet agrobusiness se développe aux dépens de paysanneries qui sont obligées de se réfugier sur des terres moins fertiles, sur des terres en pente, avec peu de terres pour chacun, eh bien, pour survivre, ces agriculteurs expulsés par l'agrobusiness, eux-mêmes, ils sont amenés à mettre en place des pratiques qui ne sont pas favorables à l'environnement. Il faut comprendre que, avec la démographie galopante et la rareté des ressources naturelles et autres, les agriculteurs sont tournés vers une surproduction. Ça veut dire que quand on a un peu d'eau, on cherche à produire beaucoup pour nourrir la population qu'on a. Et du coup, dans la recherche de cette production, on utilise beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides. On est en train de polluer la nappe phréatique, le peu de nappe phréatique qu'on a. Donc du coup, nous, au niveau de notre structure, nous voudrions que les acteurs comprennent que ça, c'est mauvais. Les affaires en main. Nous avons bâti un partenariat multi-acteurs, collectivités territoriales, opérateurs de terrain, ONG et services techniques au niveau local. Donc ça veut dire que les collectivités territoriales sont au centre du dispositif du PLGDT. La recommandation, c'était de valoriser l'intérêt social et institutionnel des micro-projets portés à la société civile en permettant de les accompagner, c'est-à-dire en permettant de développer un vrai système de renforcement de capacité. Les associations qui sont dans nos axes de travail, on travaille en partenariat. Parce que l'idée n'est pas que tout le monde fasse la même chose, mais qu'on se complète. Parce que c'est ensemble qu'on peut autonomiser, c'est ensemble qu'on peut développer l'Afrique. Le développement ne peut pas se faire de façon unique. Donc il faut un mouvement d'ensemble. Si ton ami a des problèmes et que toi tu avances, vous ne pouvez pas avancer ensemble. Il faut que ce soit un mouvement continu. Donc sur cet aspect-là, on essaye de coaliser. Le soleil brille et dessèche la terre. Après le passage du vent et prépare la poussière de demain. Por ejemplo, tenemos sequías permanentemente y las granizadas también se han dado en estos tiempos constantemente. Asimismo, los vientos que frecuentemente también se están dando. Ça perturbe fortement le calendrier agricole. Aujourd'hui, les populations agricoles ne savent plus quelle est la période conséquente pour faire tel ou tel type de culture. Et ça affecte également la capacité de la fertilisation des sols qu'ils ont au départ. Les problèmes d'eau, de sécheresse, ça on le sent tout à fait. Et malheureusement, l'impact, ça commence par les communautés de base et les peuples autochtones. Europe en crise de décroissance, Afrique en crise de croissance, et le climat qui se dérègle. La balançoire économique et les balances écologiques, arrêtez de vous agiter. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir les liens directs qu'il y a avec les zones les plus fortement dégradées de la planète et l'ensemble des perturbations sociales lourdes de conséquences pour l'ensemble de la planète que nous voyons surgir. Et je crois que donc cette prise de conscience est en train de se faire. Quand dans des endroits vous avez des sécheresses récurrentes comme on les voit en Afrique, au Moyen-Orient, et que vous perdez vos 2, vos 3 hectares, vous n'avez plus qu'une seule option, c'est de fuir. Ce sont ces gens qui sont sur les routes d'émigration internationale et qui provoquent en cela non seulement de l'instabilité et des difficultés dans les milieux d'arrivée, mais de l'instabilité et des difficultés dans les milieux de départ. On ne peut pas traiter des questions de la migration internationale si on ne revient pas à la genèse de l'affaire. Donc pour nous, c'est,
C'est ce lien que nous avons voulu débattre ici avec les personnes, dans un dialogue ouvert pour dire que faisons-nous, quelle va être notre capacité de changer les choses. Il semble qu'on soit un peu paralysé. La crise aujourd'hui que nous voyons surgir de façon importante en Europe, elle va s'exacerber. On considère que d'ici 2025, c'est 45 millions de personnes qui auront migré d'Afrique subsaharienne vers l'Afrique du Nord et l'Europe. Les signataires sont au cœur du problème. Ce que nous voulons dire également, c'est qu'elles sont aussi partie des solutions de ce problème. Au niveau de la séquestration du carbone, au niveau de la restauration de la productivité des terres. Et à travers ce qu'on appelle l'agroécologie, une agriculture inspirée de l'agroécologie, des systèmes de production extrêmement diversifiés, paysans, peuvent très bien précisément être robustes face à ces aléas climatiques, on dit résilients. Pour s'adapter au changement climatique au niveau de notre oasis, bien sûr on est mené à élaborer à des projets de développement, bien sûr qui sont liés à l'agriculture, à la réhabilitation des systèmes d'irrigation qu'on a là-bas, qu'on appelle les khatara, et surtout à développer l'agroécologie. Vous savez quel est le défaut de cette agriculture? Et c'est qu'elle est artisanale, c'est ça qu'on vous dit. Elle est soignée, elle est intensive en emploi. Est-ce grave une agriculture intensive en emploi quand il y a autant de chômage dans ce monde et autant de mouvements migratoires de la campagne vers la ville, de la ville vers les pays étrangers? Non, cette agriculture doit maintenir une agriculture paysanne. Il nous faut être très clair, il n'y aura pas d'agroécologie sans défense d'une agriculture paysanne mise en œuvre par des gens qui, ancrés dans leur pays, vivent pour mieux rémunérer de leur travail et non pas vivre d'investissement pour maximiser un taux de profit. Il peut y avoir deux positions, je pense. Une position, il faut développer l'agroécologie à tout prix dans les systèmes de culture. Et une autre position qui est différente, qui s'adresse à différents acteurs, il faut soutenir le pastoralisme là où il est pratiqué. Est-ce que l'agroécologie ne peut pas inclure justement le pastoralisme? Moi, je suis plus sur cette approche-là. Le pastoralisme, c'est un élevage qui est adapté à la variabilité climatique. C'est presque sa définition. Alors, il s'adapte comment? Principalement par la mobilité. La perspective du pastoraliste ou la perspective de l'agriculteur qui défendent le besoin de fumure ou le besoin. Ils ont tous les deux besoin de l'un et l'autre des ressources. S'il y a une distinction, c'est parce que l'administration ne sait pas. Il existe d'ores et déjà des systèmes de production agricole qui permettent aux agriculteurs, on va dire, de s'adapter à ce réchauffement climatique. Ça existe, y compris dans les régions en voie de désertification. Il y a des techniques qui existent. Et ces mêmes techniques sont celles aussi qui sont capables d'atténuer le réchauffement climatique, et voilà que le secteur capable de faire ça est complètement oublié dans les négociations sur le climat. La question qui est un peu la mienne, c'est pourquoi? C'est pour dire que le mot agriculture est un mot qui fait peur dans les négociations climat, car les pays en développement veulent plus parler de l'adaptation, de quels impacts du changement climatique sur l'agriculture, alors que les pays développés veulent parler plutôt de réduction des émissions, d'atténuation. Et au milieu de tout ça, on va dire les pays émergents ne sont pas prêts non plus à parler de réduction des émissions de leur modèle agricole. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'enjeu dans ces grandes conventions, c'est de considérer que l'agriculture familiale n'est pas une politique sociale, mais un enjeu effectif d'un État qui estime que ça devient une force productive essentielle. Je suis agricultrice ici à Wasila. Wasila, c'est une commune, c'est un village. Ben, c'est un beau village de Rajagambi où nous vivons. Ministre de la Culture de mon pays, Rajagambi. Et donc j'ai pour mission à travers le monde de négocier tout ce qui est autour de l'agriculture, bien entendu, et du développement, changement climatique, etc. J'ai beaucoup de missions internationales. Moi, je milite beaucoup, bon, je suis content de voir qu'on en parle aujourd'hui, sur le fait que les trois conventions biodiversité, lutte contre la désertification, lutte contre le changement climatique, au lieu d'avoir ces trois conventions, à mon avis, on devrait en avoir une seule,
Parce que finalement, avec l'agroécologie, on répond aux trois, voire même la quatrième sur la souveraineté, enfin la sécurité alimentaire. I mean, these conventions and the parties, the countries, have been building the structures for 20 plus years. So let's think for a moment if it's realistic to ask them to go and merge now. Could it be counterproductive in the process? Would it maybe bring us back a few years? As sister Rio Conventions, the Convention on Biological Diversity and the United Nations Convention to Combat Desertification have many areas of convergence, the most significant being the work to conserve, restore and sustainably manage land and water resources. Pour les conventions de Rio, on a des allocations, mais effectivement, on fait la promotion et on favorise des actions intégrées pour justement illustrer la synergie entre les conventions. La clé de répartition, grosso modo, est à peu près 1 milliard d'euros pour la biodiversité, à peu près 1 milliard pour les changements climatiques. Pour la lutte contre la dégradation des terres, c'est à peu près 450 millions de dollars. Alors souvent, la convention des certifications se sent un peu le parent pauvre. Je voudrais juste faire ici un petit rappel pour expliquer pourquoi cette convention est centrale et pourquoi, en fait, elle est le lien avec les deux autres et en quoi elle est le plus proche aussi des questions de développement de la planète. En 2050, nous serons 9,2 milliards d'individus sur cette planète. Pour nourrir 9,2 milliards d'individus, il faut augmenter la production alimentaire de 75%. Pour augmenter la production alimentaire de 75%, il faut chaque année, à partir de maintenant, mettre 4 millions d'hectares de terres nouvelles en culture. Or, dans le même temps, sur cette planète, il y a aujourd'hui 2 milliards d'hectares de terres dégradées qui ne servent plus à l'agriculture. Si nous restaurions 500 millions d'hectares de terres dégradées, non seulement nous réglerions les questions alimentaires à l'horizon 2050, nous réglerions en partie la crise de la biodiversité, mais, et surtout, restaurer 500 millions d'hectares de terres dégradées, ça permet de séquestrer chaque année un tiers des émissions de gaz à effet de serre. On a l'impression qu'on a des textes et des grands concepts qui s'élaborent et une réalité de terrain effective d'acteurs qui essaient de résoudre leurs problèmes et qui malheureusement ne sont pas entendus. Blablabla, bla, climate smart agriculture, agriculture climato-intelligente. Yeah. Blablabla. Blablabla. Il ne faut pas que ces concepts soient des concepts de verdissement d'un certain nombre des OGM, par exemple, des organismes génétiquement modifiés, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'allient derrière ce concept-là aujourd'hui. Et il est important que nous nous détournions ou bien que nous clarifions correctement ce concept-là. Et puis on voit bien d'un autre côté que c'est un concept qui s'impose un peu dans l'agenda international, qui est aujourd'hui, pour obtenir un financement auprès d'un bailleur, on est un peu obligé de parler de climate smart agriculture. Donc les organisations de la société civile, elles sont un petit peu coincées, elles voient bien le danger du concept. Mais d'un autre côté, c'est compliqué de le refuser complètement. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour la dégradation, la neutralité en matière de dégradation des terres. Alors, la neutralité de la dégradation des terres, c'est quoi? Alors, d'une manière très simple, on ne va pas rentrer ici dans des définitions, même si ces définitions sont très importantes. La neutralité en termes de dégradation des terres, c'est premièrement un constat, et ça, on ne le dit pas assez. C'est le constat que la dégradation des terres ne peut pas être stoppée. On va la compenser en diminuant la dégradation des terres et d'autre part en restaurant des terres dégradées. Et je crois que les deux termes de l'équation sont très importants.
Nous avons décidé de travailler sur la création d'un fonds d'investissement extrêmement large, puisque l'idée c'est quand même, on parle nous de 30 milliards de dollars sur 15 ans. Et c'est un fonds qui va être surtout privé. C'est un fonds qui va donc investir dans les terres, mais qui n'achètera aucune terre pour empêcher tout ce qui est accaparement de terres. Est-ce que ces deux choses, ces deux actions-là, vont de pair, faire des investissements privés au niveau des terres très dégradées et lutter contre l'accaparement des terres? Le secteur privé qui est déjà là, rentré dans les conventions environnementales, sont rentrés par la porte arrière sans qu'on se rende compte, avec un passé très lourd. C'était les mêmes sociétés, disons, secteur privé qui ont créé la dégradation des sols. Alors, personnellement, nous, on propose vraiment d'avoir... on ne peut pas entrer comme ça. Enfin, si on va vers une idée d'un développement, de nouvelles voies de développement, les entreprises en font complètement partie. Donc, il ne faut pas les exclure, mais plutôt, au contraire, les accompagner dans des pratiques plus durables, je pense. But let's be careful. If we enter in a partnership with people who have objectives that are completely opposite to ours, what will be the outcome? Non, ce n'est pas le festival des enfers, c'est Désertif Action. Okay. Désertif Action. Il y a eu un forum qui a duré 3 jours avec des experts internationaux. Et donc là, c'est une journée porte ouverte au grand public, avec tout un programme. Ouais, super, bah, je suis tombée dedans donc, par hasard. Comment cette société civile, finalement, doit-elle s'organiser? Pas seulement pour porter une parole de contestation, mais une parole de revendication, et je dirais une parole en tant que partie prenante, et quel rôle peut-elle et doit-elle jouer dans le processus de décision, mais aussi dans le processus de mise en œuvre. Le message que je peux porter aux autres organisations de la société civile, c'est de ne pas se fatiguer, de relayer l'information, de faire pression, une pression collaborative, bien entendu, avec leur gouvernement, avec leurs décideurs et bien entendu avec leurs collectivités également, puisque c'est les collectivités aujourd'hui qui peuvent mettre en place des actions vraiment pilotes au niveau de la communauté pour booster les décisions politiques. On veut que la voix de la société civile soit entendue, parce que j'ai l'habitude de leur dire que le temps des discours est terminé, il faut passer aux actions. Mais on s'aperçoit qu'en fait, actuellement, on a un rythme de changement très, très rapide. Et on n'a plus le luxe, en fait, de faire des erreurs, ni d'attendre. On doit vraiment travailler ensemble. Et je dirais, depuis Rio 92, on a peut-être un peu trop tardé à s'observer, à voir comment on allait avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, la constatation est faite par tous, à la fois les gouvernements, à la fois le secteur privé, les citoyens, de se dire, ben non, les changements sont là, il faut vraiment y faire front. Non. Vous avez une carte où vous pourriez être joignable si non, on parce veut que ce qu'on propose, c'est pour le 12 décembre, à Paris. Oui, 12 décembre. Ah, marche à Paris. À Paris. Que tous ensemble, CCFD, etc., dans la région, on affrète un train, des cars, et qu'on monte tous à Paris sous la une bannière régionale. The way to Paris goes through one car, and that many things should be decided. Et cette déclaration appelle entre autres à réaffirmer la priorité qui représente l'adaptation vers les négociations comme exprimée par le groupe africain des négociations et la conférence ministérielle africaine sur l'environnement et notamment dans les CPR. Soutenir que soit présent dans l'accord de Paris la question de l'utilisation des terres compte tenu de l'importance du potentiel de séquestration du carbone dans la restauration des terres. Sur la route des 2 degrés, il y a un virage incontournable. Ce virage incontournable, c'est celui de la restauration des terres dégradées. Et vous pouvez compter sur le ministre de l'Agriculture et sur moi pour que les gardiens de la terre, que vous êtes, y soient largement entendus.
Et de ce point de vue-là, le forum des Artifs Action qui nous rassemble aujourd'hui à Montpellier et qui est un forum international avec des acteurs européens, des acteurs africains et d'autres continents, joue tout ce rôle et par ses résultats contribuera aussi à informer les positions nationales et de façon très certaine la position française en prévision de la conférence des partis à Ankara au mois d'octobre. How we use natural resources. It's not just about how we feed ourselves, but it's how our economies and our societies are going to look like in the future. Et j'ai beaucoup apprécié, par exemple, les gens qui disent, mais en fait, la société civile n'est pas là pour dire non au gouvernement. Elle est là pour les aider, pour les appuyer, pour les éclairer. Maintenant, l'objectif, c'est de comment rationaliser la mise en œuvre de ces concepts, comment mettre en place les garde-fous pour qu'il n'y aura pas de dérive, pour que les choses ne partent pas dans tous les sens. On a donné à nos enfants la planète. On l'a avec nous. On l'a reçu de nos parents pour la donner à nos enfants la planète. Elle est à nous. On l'a reçu de nos parents. Moi, je pense que vraiment la sécurité alimentaire et l'alimentation saine, c'est un service d'intérêt général. Ça ne peut pas être un business. Il faut des politiques régulationnistes qui font en sorte que les paysans, clairement rémunérés, correctement rémunérés pour l'ensemble des services, puissent vivre et travailler dignement au pays. Pero yo considero de que todas las conclusiones y las recomendaciones que se van a sacar, entiendo de que nuestras autoridades de los distintos estados tomarán cartas en el asunto para que podamos tener un solo criterio. In order to maximize our chances of dealing with climate change, we have to maintain and support farmers' rights to save, use and develop their own seeds. They know best what to grow and how to grow it and where to grow it. They have deep indigenous knowledge. We need to know it better, validate it, but we can improve it. And last but not least, researchers need to work with farmers, not dictate to farmers. And all policymakers should listen to their farmers. They don't. They go mostly with their ears shut. Land degradation is a critical issue. Fighting land degradation is vital to ensure integrity of the Earth ecosystem, climate change, and food security. Donc voilà pourquoi, pour nous, le sujet des terres, des sols, de l'agriculture est quelque chose qui doit être pris en compte d'urgence dans la question dans la négociation sur le changement climatique, et ne pas le faire, ce serait une lourde faute dont, je pense, l'humanité ne se remettrait pas.
Merci.